Dernier pâté, dernier château de sable pour cette famille de Piton Saint-Leu, où chaque instant est précieux. On essaie de profiter au maximum, d'être heureux en famille, malgré la situation du moment, de faire le meilleur avec une situation qui est un peu négative. On prend du positif, on profite. Comme tous les gens qui sont ici, on est heureux, quoi. Avant de faire les valises, ultime moment de détente entre une mère et sa fille. C'est ça, voilà, le petit sorbet coco avant de partir. Demain, retour en métropole avec des souvenirs plein les yeux. À fond, comme disait Jeanne, les gens sont super gentils. Les activités multiples, les paysages multiples, top. Ça va être dur, hein? Ça va être dur. Ça va être dur, mais bon, c'est comme ça. Vous en prenez pas, c'est vrai? Non, mais j'ai déjà pris des jus et tout, j'ai plus faim. Mais je vais goûter parce que ça a l'air bon quand même. Lui aussi voudrait goûter, mais un autre parfum. Pour digérer, rien de tel qu'une visite chez les volatiles. Meylan est déjà nostalgique. Demain, ça sera le matin, on va devoir se réveiller tôt et pour aller à l'école. Donc, ça va être dur. Oui, on doit profiter de ce dernier jour. Là, c'est plutôt... Là, je suis chez la terre, il est chez la mer. Ouais, et on était à Grand Bleu, sur le bateau, oui. Et là, dans quelques heures, quelques jours, c'est fini tout ça. Ouais, oui, c'est fini. Ah, mais après le week-end, jamais perdu. Jamais perdu, ces moments partagés en famille. Demain, les enfants retrouveront les bancs de l'école pour une nouvelle année scolaire.